Quelques jours vous êtes arrivé à Beaulieu, comment vous vous sentez, quelles sont les sensations physiques? Les sensations sont plutôt bonnes, ça fait un mois qu'on a repris, la reprise est toujours, les premiers jours sont toujours un peu durs pour moi au début mai. Et puis quand on arrive mi-mai, on commence à retrouver un peu des sensations d'entraînement, des sensations de résistance sur les séances un peu longues et on commence de nouveau à prendre du plaisir. Et là c'était une super séance ce matin en ski roue avec pas beaucoup de monde sur les routes, donc les profils qu'on recherche et le soleil. Donc. Bonheur. Et après le grand rush là, des JO, des mondiaux, une petite trêve, retrouver l'équipe, c'est chouette, c'est bien, c'est important. Ouais, j'ai eu un mois d'avril très dense en sollicitation. J'avais pris le mois de mai pour couper, pour passer du temps avec ma famille, avec mes petites filles. Et du coup, voilà, retrouver tout le monde, même si on en a vu quand même beaucoup, parce qu'on est bien sûr des partenaires, mais depuis les années aussi un peu plus que ça, donc on garde pas mal de nouvelles quand on se voit pas, mais c'est super d'être tous ensemble et de surtout découvrir ce nouvel encadrement un peu plus, de s'apprivoiser, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, nous, en tout cas moi à titre personnel, je suis extrêmement heureux de la nouvelle organisation qui a été mise en place par la fédération. Et voilà, maintenant il nous reste à découvrir, il nous reste à se découvrir et à avancer ensemble. Qu'est-ce qui va vous amener par exemple, monsieur Vitoz?